Bon, alors finalement, je crois que je suis quand même arrivé à avoir une chèvre à cinq pattes. Il y a quand même un problème avec cette chèvre. Je pense que ceci ne doit pas être rempli, en fait. C'est du vide, c'est ça. Sinon, j'ai ma chèvre à cinq pattes. Bon, je vais aller régler le problème, donc, en cliquant sur le calque qui contient le dessin de cette chèvre et en gommant à cet endroit-là. Voilà. Et pourquoi est-ce que... Ah ben oui, forcément, où est ma couleur de ton direct que j'ai créée en Pantone là? La couleur de ton... Ah ben dans la palette des couches, évidemment, c'est pas dans la palette des calques. Ben oui. Donc dans la palette des couches, il va falloir que j'aille dans la couche de ton direct, dans mon cas ici, dessiner en noir. Ok, c'est bon. Et ça apparaît donc, et ça n'apparaît pas, c'est toujours agréable. Dessiner en noir pour enlever dans la couche de ton direct. Alors. Ben non, c'est en blanc qu'il faut dessiner. Alors, ben oui, en blanc. Puisque c'est ce qui est blanc dans la couche de ton direct qui apparaît. Ok, il faudrait que je sélectionne ça. Et remplir en blanc. Alors, 100% dans la couche de ton direct. En noir, c'est ça. Voilà. Ok, bon, alors on va dire c'est bon. Et on va tester l'application de plusieurs textures sur les bestioles et une texture répétitive. Mais je vous propose de changer d'image pour changer un peu d'air parce que là, les On va chèvres. avoir des Ben oui, et puis ça pue, les chèvres. Les Ouais. chèvres, ça va.